sommes vendredi et il est déjà midi 22. Je ne vous ai pas pris ce matin, du coup j'ai été ramener Camille au lycée à 8h, pour 8h. Ensuite, je suis rentrée, j'ai déjeuné, je me suis fait un café et j'ai parlé avec ma voisine en fait devant. Il y a de l'animation en ce moment par chez moi. On a parlé avec ma voisine un bon moment. Il y a même un policier qui a rigolé avec nous. Enfin, ouais. Et ensuite, il y a un gars qui est passé à vélo et il a demandé si on avait une pompe pour son vélo, quoi. Du coup, avec le truc que j'ai dans ma voiture, je lui ai passé, il a regonflé un petit peu. Donc voilà. Ensuite, j'ai commencé à faire mes pommes de terre, ces pommes de terre aux œufs. Donc là, elles sont en train de cuire. J'ai demandé à Mathieu de surveiller. Là, je suis partie chercher un don pour ma voisine. J'ai commenté pour ma voisine. Comme je vous ai dit qu'elle attendait un bébé. Je vais récupérer un truc comme ça. Voilà. Ensuite, je vais récupérer un beau tapis à langer. Il est trop beau. Voilà. Et après, il y a quelques trucs que je vous ferai voir après. J'aurais pu vous montrer tout après, mais bon, c'est pas grave. Donc là, tout se casse la figure. Comme la dame était dispo que jusqu'à 12h45, du coup, je me suis dépêchée de faire mes pommes de terre, les mettre à cuire, et là, je suis venue parce qu'elle va bientôt s'en aller. J'ai chaud, j'ai mis le chauffage. Et Camille, aujourd'hui, elle finit à 13h15, elle a pas de pause, mais je vais pas la chercher. Bon, après s'il pleut, peut-être que je viendrai la rejoindre quand même. Sinon c'est Dodo qui vient la rejoindre et il rentre à pied tous les deux. Sinon je serais venu la rejoindre, mais ils vont rentrer à deux à pied. Si je vois par contre, parce que comme là il commence à pleuvoir, si je vois qu'il pleut fort, je viendrai quand même les rejoindre. Pour qu'ils soient à pied non plus. Donc là je vais aller finir mes pommes de terre aux œufs. Alexis lui il en veut pas, donc je crois qu'il me restait 3 crêpes farcies, il m'a dit qu'il allait les finir. Et j'ai ma vaisselle à faire aussi. J'ai passé déjà un coup de balai, j'ai tout remis en place et tout, donc c'est pas sale, hein. J'ai lavé avant-hier. Hier j'ai encore donné un coup de balai, j'ai nettoyé la table et tout, donc voilà. Donc c'est pas très sale. Donc là j'ai passé un bon coup de balai, je finisse ma vaisselle quand même. Et qu'est-ce que je devais faire? J'ai sorti mes poubelles. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, j'ai mes colis Vinted du coup à emballer. Hier j'ai fait mes photocopies, donc c'était bien ça, hein, c'était bien un cartouche. Sauf il m'a dit bah ouais, moi je le savais que c'était un cartouche, j'ai dit que c'était en attendant. Bon, j'étais persuadée que c'était à laser, mais c'est pas grave. Tant que j'ai une imprimante qui fonctionne, c'est le principal. Donc là, j'ai déjà commencé à faire les photocopies pour pour Camille, son dossier de bourse, c'est bon, il est complet. Pour Alexis, le foot, je vais regarder là en rentrant. Pour le collège, je dois le faire en ligne. Et pour la mairie, par contre, je peux pas le ramener pour l'instant parce que il faut les papiers de scolarité, là, je sais pas quoi, là, qu'on pourrait se bien scolariser. En fait, Alexis, il l'a eu au collège, mais Camille, elle l'a pas eu au lycée. Donc, je lui ai dit, il faudra que tu vas le réclamer. Parce que sinon, je peux pas aller vers la demande auprès de la mairie. Et puis voilà, puis là, j'ai deux colis. Donc, j'ai déjà imprimé les deux papiers. Donc, mais il faut que j'emballe, quoi. Que j'emballe et que je prépare ça. Et comme ça, je vais les déposer dans l'après-midi. Voilà. Il fait pas trop froid, ben pour l'instant il fait pas trop froid, il fait que 16 degrés, hein. Mais je veux dire il pleuvait pas là, il n'y a que 2-3 gouttes. Alexis va peut-être quand même aller à l'entraînement de foot. Je vous ai dit, il avait encore mal au ventre et tout, donc je préférais le garder, mais bon, il va plus en diarrhée, ça va mieux, quoi. J'ai préféré quand même le garder aujourd'hui. Il va vouloir peut-être aller au foot quand même, donc on verra le temps quand même. Là, quand je suis arrivée à la place, je me suis arrêtée pour laisser passer une jeune. Il y a une femme qui est arrivée en face. Elle est arrivée comme une folle. J'ai cru qu'elle allait la renverser. C'était à la voiture, j'ai fait... Non, ils sont... Ils font pas attention. Enfin, voilà. Pour cette nouvelle journée, j'ai mis mon gilet parce que ce matin, il faisait quand même bien frais. Après,
ne sortirai pas en débardeur. Voilà, voilà. Du coup, j'ai un pop à mon frère à vendre, à envoyer. Et ensuite, c'était une peluche singe que moi j'avais mis en vente sur Vinted aussi et que j'ai vendue. Je vais regarder si j'ai des emballages. Pour pouvoir préparer les deux colis, je vais faire ça. Et puis voilà. Et ensuite, il va falloir qu'on fasse des courses. Du coup, les courses de la semaine, du week-end et de la semaine. J'ai pas encore écrit des idées de repas. Donc, je sais pas si je vous les dirai aujourd'hui ou demain. Pour l'instant, j'ai juste regardé sur le Drive Leclerc, il y avait pas mal de promotions. Alors rien qu'avec les promotions, je crois que j'étais arrivé à 80 euros. Les promos intéressantes quand même. Donc il y avait le pâté pour choc, le deuxième il y a moins 50%, donc ça vaut le coup. C'est les sachets que je prends. Il y avait quoi que j'ai vu qui est en promo? Il y avait les Oasis qui est en promo. Il était qu'à 4 euros le pack au lieu de 6 euros et des boîtes. Recoucou, il est 14h45 et je vais emballer les colis. Donc là, le pop que je vous ai dit, en très bon état. Hein. Je vais emballer déjà le pop. Voilà. Fiche destinataire. Donc ça c'est le pop que j'ai vendu de mon frère et après j'ai vendu le singe comme ça. C'est pareil. Mais en très très bon état, il n'y a rien du tout. Vous pouvez coller les pieds et les mains. C'est pas collé. Voilà. Voilà. Là, je vais le mettre dans un sac, hein. J'ai pas de. Alors ça c'est à mettre à l'intérieur du colis. Hop. Je vais mettre comme ça. Et là, on va mettre. Hop. Voilà. En plus, ça va être un petit peu. Ça va être tout juste. On va se débrouiller. Du coup, Camille, elle est rentrée. Elle a quand même mangé à la cantine, son prof, il lui a payé son repas. Elle lui a dit non, c'est bon, j'ai pas faim, je mange pas et tout, mais il lui a dit si, je t'ai payé ton repas, va manger. Parce que de base, en fait, elle pensait qu'elle avait cours, comme je vous avais dit, jusqu'à 13h15 en fait, et qu'il faisait pas du tout de pause. Et en fait, apparemment, ils font quand même une pause, et comme c'est, elle était toute seule avec une copine, ils allaient pas manger. Donc, il lui a dit, bah, je t'ai payé ton repas, vas-y. Elle est sympa, hein. Mais bon, de base. Elle aurait mangé en rentrant. J'avais pas mangé. Ah ben. Hop. J'emballe toujours bien les colis. Parce qu'on ne sait jamais. Hop. On sait jamais, hein. Qu'il arrive et puis qu'après la personne elle me dit qu'il était mal emballé ou quoi. Moi je vais scotcher, hein. Comme ça du coup en allant ou en revenant du foot on aura les déposer au relais. Voilà. Du coup je devais vous montrer ce que j'avais récupéré pour ma voisine mais je lui ai déjà donné.
Alors, de toute façon, c'était le matelas langé, le petit truc que je vous ai fait voir là. Et ensuite, c'était. Je sais même plus c'est l'endroit ou l'envers. Oh, c'est là. Et ensuite, c'était des petits jouets en fait. Mais là, on a gardé un pour elle. Des petits jouets bébés. Donc, il y avait une petite pieuvre. Il y avait. C'est quoi qu'il y avait? Les petits jouets, vous savez qu'il y a souvent dans les pharmacies tout seul avec les boules de couleur. Il y avait un livre, oh, petit ours brun. Et Mel, elle a gardé un petit chien ou je sais pas quoi, donc, qui fait de la musique. J'ai dit, si t'aimes bien, tu peux le garder. Donc, on m'a dit, bah, je le garde. Normalement, je devrais le plastifier, le sauter, mais à chaque fois, je pense pas en fait. Bon, c'est pas grave. Et elle jette le taille-crayon, mais allez. Le principal, c'est qu'il puisse scanner le code barre. Voilà, premier colis. Ok. On va emballer la peluche. La peluche, je vais la mettre dans un sac, j'ai pas le choix. De toute façon, elle va être scotchée dans le. Voilà le petit singe. Je vais prendre l'autre feuille. Il faut pas que je me trompe de feuille, la honte. Là, c'est une peluche. Je vais pas besoin de mettre papier bulle, rien du tout. Donc, l'affiche à l'intérieur. Mais arrête de faire des bêtises, toi! La blinde de scotch aussi parce que comme c'est un plastique, je ne veux pas que les craques ou quoi. On va mettre la fiche comme on peut, ça va être chiant, mais bon. On va mettre la feuille comme je peux. Hop. Normalement, Christophe, il devrait pas tarder à arriver. Il m'a pas envoyé le message comme il a démarré, je pense pas. Attendez. Alors. Quoique. Je sais pas. Il devrait arriver, il est déjà bientôt 15h. Pourquoi il a fait. Écoutez, c'est héros. Hein. C'est juste une peluche. Je sais pas, ça part où ça? À 0809 08 1912 Badalona Badalona, je sais un peu si vous souhaitez. Ah, par contre, le code barre n'est pas droit. Et ça va arriver à le scanner. Bon, ça ira, mon colis. Il est bizarre, mon colis.
peut-être qu'on mette un bout de scotch de l'autre côté. Et l'autre colis part à 89 470 monétaux. Je connais pas les villes là, mais... Barcelona et Dijon. Apparemment. À Barcelone et à Dijon. C'est chiant, c'est que... L'étiquette, elle est un petit peu... Oh, c'est chiant. Ouais, je pense qu'ils vont arriver à la scanner quand même. Il n'y a pas droite, mais... Au niveau du code barre, on est bien quand même. Voilà pour les deux colis, du coup. Comme ça, je vais les prendre en partant. Ou alors, je vais finir de plier mon linge. J'avais même pas fini de plier mon linge ce matin, du coup. Comme je suis curieuse et que j'ai vu la police dans ma rue, du coup, forcément, j'ai été voir ce qui se passait. Hein, qui est curieux comme moi. J'avoue, je suis curieuse. Ça, c'est à Camille. Ça, c'est à mettre dans ma salle de bain. Je vais finir de ranger ça. Là, il y a la robe à Amel que je dois plier, que la merdeuse, elle joue avec. Hop. Le scotch. Ça va être arrangé avec les ciseaux. Là, c'est les trucs d'école à mail. D'ailleurs, elle va venir un petit peu bosser. Et ça, c'est mon courrier que j'ai mis hier. Donc, je vais l'arranger. Voilà. Du coup, je ne sais pas si vous voyez. Non, vous ne voyez pas. J'ai mis l'ancienne imprimante là aussi. Parce que bon, elle traînait sur la table. Donc, Kelma, t'es chiante. Je sais. Elle jette tout par terre, elle est pénible. Tu le sais que t'es chiante? Voilà. Bon, colis envoyé. Du coup, je vais les déposer, comme je vous ai dit, en allant au foot ou en revenant, je pense, en revenant. Et puis, je vous reprends un petit peu tout à l'heure. Recoucou. Tu dois faire quoi? Remettre la plaque. Recoucou, il est 19h57, du coup on est revenu du drive Leclerc, donc là j'ai posé des courses. Je viens de vous faire le retour de course et là du coup je vais ranger un petit peu le frigo et tout avec vous. Voilà, il n'y a personne qui a fini les pommes de terre du coup. Ça, c'est pareil. J'avais bien rangé mon frigo, c'est le bordel. Ah putain, Bon. Je vais vous donner après la liste des repas de la semaine. Hop. Voilà, les œufs, par l'instant, je ne vais pas les retirer. Ça, c'est quoi là-dedans? Hop. Tu fais toujours ça quand on est en vidéo, tu fais exprès? Pardon? Non, t'es pas venu de dire pardon. Quoi? Heure? Pardon? Ah ouais. Et là, comment tu me parles? T'as un problème. Quand parce que t'es en vidéo, tu peux partir en ligne, je te l'ai déjà dit. Je peux t'en sans doute, mais pas. Ici, ça c'est encore bon, quoi. Elle l'a mis je sais pas quand dans la boîte. Je dirais que c'est encore bon.
Même elle, elle le sait pas. Parce qu'elle a, en fait, elle l'a entamé, mais pour un petit truc. Non, mais elle prend tout, mais elle ment. Tu la causes plus? Non, je la cause plus. Je pense qu'elle sent plus. Comment? Ouais. Tu filmes pourquoi là? Hein? Tu filmes pourquoi? Pour ranger mes courses? Ouais, tu fais un truc rapide. Non. Non, non, pourquoi tu veux dire des conneries? Non, c'est parce que justement vous parliez, du coup je me suis dit, bah peut-être faire une avance rapide sans son, pas avec la musique. Non. Ils écoutent les conneries de ton père. D'ailleurs, ta fille elle veut des nuggets. On veut des nuggets? Bah attends 2 minutes, je range mes courses. Alors comment j'ai la pizza? Et il y a 2 secondes, on repart. Regarde-les là, regarde-les là. On a faim? On a faim? On a faim. Je vais vous donner à manger. On va donner à manger aux fifi, ils ont faim là. Allez. Hop. Qui c'est qui a faim? Ça va, Aya, elle t'embête pas trop. Mais elle est où la tienne, s'il te plaît? Je crois qu'elles ont la dalle. En même temps, normalement, elles mangent vers 18h. Elle est aussi là? Bah oui, elle est là. Et elles sont toutes ici. Alors. Elle est première sur l'assiette. Ouais, c'est une grosse gamelle. T'as faim, grosse? T'as vu, j'ai réussi à ouvrir. Alors, vous allez manger agneau. Par contre, t'es devant. Je dis ça, je dis rien. Tu veux que je la prenne? Elle va tout faire tomber. Ah. Non. Qui c'est qui a faim? Vous allez l'avoir passé 50 fois. T'as de l'eau? On veut pas avoir trop du cul. Je sais que t'as faim. 2 minutes. Si à chaque fois qu'elle a faim, je peux faire un trou du cul. Bah là, tu dis pas. Attends 2 minutes. Moi, quand j'ai faim. Attends 2 minutes. Je vais pas arriver à servir avec elle. Tiens, mange. Je peux pas attendre. Tiens. Si vous les voyez bien, mais crève la dalle. Je dirais qu'ils ont jamais mangé. C'est toujours les deux mêmes en plus qui sont en hauteur. Voilà, et les deux ici. Regardez, il y a les deux autres ici. Et là derrière, bon, je peux pas vous montrer parce qu'il y a Mathieu. Il y a Stella aussi qui attend pour manger. Donc je vais donner à manger à Stella, je vais finir de ranger les courses, on va faire les pizzas, tout ça. Et je vous reprends après. Re-coucou, il est 21h47, du coup je vous reprends pour terminer ce vlog et du coup je vais vous donner la liste des repas vu qu'on a été au drive. Du coup ce soir c'était prévu du pain mais tout compte fait on a mangé tout ce qui était pizza, flamel on l'a pas mangé. On a fait des pizzas comme ça, jambon speck, on a fait des croissants au jambon et des roulés au fromage, je sais plus parler aujourd'hui. Donc du coup, samedi 17 septembre, donc demain, gratin de pâtes le midi et pommes de terre au four et boule fromage le soir. Dimanche 18, ça sera spaghetti boulettes le midi et pain du coup le soir, on a décalé. Oui. Non. Lundi 19 septembre, donc ça sera crêpes farcies le midi, pommes de terre noisettes, c'était caché le soir. Mardi 20 septembre, ça sera sandwich le midi et paupiettes frites le soir.
Mercredi 21, ça sera pâte jambon à la crème le midi et couscous le soir. Jeudi 22, ça sera frites, œufs ou saucisses le midi et lasagne le soir. Et vendredi 23, ça sera crêpes farcies le midi. Et du coup, bah, j'avais noté pizza, mais on les a mangés du coup aujourd'hui. Donc voilà pour le repas de la semaine. Du coup, c'est du rapidos le midi, comme d'habitude, parce que on n'a pas le temps, comme je vous ai dit, avec l'école. Du coup, je vous ai repris quand ? Tu viens ? Je sais plus. Je vous ai pris quand je faisais les colis. Donc, Camille, voilà, elle était rentrée de cours. Donc, elle a dit que c'était sa matière préférée, on va dire. Donc, elle est en cuisine, voilà. Vraiment en cuisine. Donc, ça lui a plu. Donc, ils ont fait des crêpes avec son prof aujourd'hui. Ils ont fait des crêpes. Ensuite, la plonge, nettoyage, voilà. Après, de l'hygiène, tout ça. Mais ça lui a vraiment plu, là, aujourd'hui. Donc, c'est bien. Tant mieux. Hein. Au moins, je sais que elle aime ça, quoi. Bon, ce qui l'embête le plus, on va dire, peut-être, c'est les cours à côté. Mais bon, le principal, c'est que la cuisine, ça lui plaît. Donc, ça, c'est cool. Du coup, quand ils sont rentrés, moi je venais de finir ma vaisselle et tout, parce qu'elle est revenue avec Dada en bus, du coup, parce qu'il a été l'argent allé au lycée. Donc j'avais fini ma vaisselle, tout ça. Ensuite, j'ai emballé mes colis, du coup, avec vous. Christophe, ensuite, est rentré, il a été prendre sa douche. Moi, j'ai rappelé pour l'assistante sociale. Donc elle m'a dit que c'était pas l'assistante sociale qui s'occupait des dossiers, FSL, tout ça, c'était une autre personne, donc elle lui laissait le message, il doit me rappeler, mais bon, on m'a toujours pas rappelé, on verra du coup lundi, pour maintenant. Ensuite, j'ai même pas bu de café. Ensuite, on a préparé le drive avec Christophe, les repas de la semaine, tout ça. Donc on avait passé le drive pour 19h parce qu'il y avait foot, je vous avais dit qu'Alexis voulait y aller quand même, donc on a quand même été au foot. Alors, il faisait du soleil, il pleuvait, enfin, voilà quoi. Et quand on est arrivé, moi j'avais hyper froid. J'avais juste mis un gilet, Christophe avait prévu, il avait mis son manteau, il a bien fait. Tout compte fait, c'était sur le grand terrain, donc ça fait que c'est encore moins couvert là-bas. Donc, je veux dire, vous n'avez pas les murs, vous savez, pour vous abriter et tout, là. C'est vraiment que le grillage, quoi. Donc, voilà. Donc, bon, après ça va, il y a eu un peu de soleil, donc on était assez bien. Puis ensuite, il a commencé à repleuvoir. Mais là, la baissée m'a gelée, clairement. Du coup, j'ai dit, mais viens, on va dans la voiture. Il ne restait plus que le match. Il restait environ 20 minutes. J'ai dit, viens, nous, on va dans la voiture. Donc, je suis partie dans la voiture avec elle. J'ai allumé le chauffage, tout ça. Du coup, quand on est parti, on a été déposer les colis, du coup, au relais. Donc, Camille, elle a été déposée avec Dado. Je me suis arrêtée devant. Donc, ils ont déposé mes colis. Comme ça, ils sont partis, je suis tranquille. On est rentré à la. Enfin, j'ai déposé Camille et Dada à Lidl. Je suppose qu'ils ont été cherchés d'ailleurs. Nous, on est rentré à la maison. J'ai été aux toilettes, tout ça. J'ai fumé une cigarette et on est reparti chercher le drive. On voulait mettre du gasoil. Enfin, je voulais mettre du gasoil parce que. Quand je suis partie, ça a sonné. J'avais plus de gasoil. J'avais plus de batterie à mon téléphone. Donc, je l'ai chargé un petit peu dans la voiture. J'ai dit à Christophe, je dis en fait, tout y est vite quoi. Et là, ça sonne ma voiture en me disant que les piles de ma carte sont très faibles. Du coup, Christophe il rigole, il dit en fait, c'est vraiment tout. Voilà, en même temps. Bref, donc on est parti à 18h40 pour aller jusqu'au Leclerc Drive. Comme ça, on voulait passer à la Total avant pour mettre du gasoil. Il était moins cher en fait à la Total. C'est juste à côté du Drive. Quand j'ai vu la queue. J'ai dit, c'est même pas la peine. Donc, j'étais chercher mon drive. Pareil, si on voulait repartir à Leclerc Douai, je sais pas quoi, il y avait un monde pas possible. Du coup, j'ai repris la rocade et j'étais à Carrefour. Voilà. J'étais à Carrefour, donc un peu plus cher, mais au moins, il n'y avait personne. Puis bon, après, le Carrefour, il est quand même près de chez moi. Oh, tu viens ou tu viens pas, toi, Chipette? Bon, forcément, le retour de course. N'était pas calme.
Là, en fait, je l'ai fait vite fait parce qu'on est rentré déjà tard quand même. Il était déjà 19h30 quasiment. Donc, il fallait encore ranger les courses, faire à manger. Donc, j'avais pas déballé les courses. J'ai laissé dans les sacs et je vous ai vraiment fait vite fait le retour de course. Donc, avec le bruit des sacs, avec le bruit des animaux. Il y avait beaucoup, beaucoup de promotions quand même. J'en ai eu quand même pour plus de 200 €. Mais je veux dire, il y avait beaucoup de promotions. Vous allez voir dans le retour de course, mais déjà tout ce qui va être pâté pour chaud, je suis tranquille pendant plus d'un mois, ouais, un mois et demi quasiment. Ce qui est papier toilette, sopalin, je suis tranquille un bon moment. J'ai repris du gel douche d'avance pour Christophe, moi j'en avais déjà repris pour nous. Des chocs à pique, je suis tranquille encore un mois facile aussi. Enfin, j'ai quand même pris pas mal de choses. Ils vont durer longtemps, je me suis fait piquer. Bref, et du coup, bon bah je vous ai fait le retour de course, j'ai fait cuire les roulés au fromage, les croissants au jambon, pizza, tout ça, on a mangé. Là, je viens d'aller promener Stella avec Camille. Il pleut encore. Tu vas tout faire tomber, Kimi. Et puis voilà. Et là, je vous termine ce vlog. Je vais aller me laver, je vais aller me m'installer. Christophe est parti se coucher, il était KO. Ça se voyait à sa tête qu'il était crevé. Et Alexis, là, il s'est installé, c'est pareil, il est KO aussi. Comme il est monté dans sa chambre, Mathieu est monté dans sa chambre. Mais elle est encore un peu en forme. Alexis, du coup, bah, moi, j'ai pas regardé du coup, le match. Comme je vous ai dit, je suis partie dans la voiture avec Mel parce qu'elle était mais vraiment gelée. Je lui ai même dit la prochaine fois, au pire, tu resteras avec Mathieu à la maison. Quand il fait froid comme ça, c'est pas la peine. Après, elle va être malade. Et du coup, bah, Christophe, il m'a dit. L'entraîneur, en fait, il a dit à Alexis, bah, demain il y a un match. Et du coup, bah, il ne pouvait pas prendre tout le monde. Et il a dit Alexis, bah, du coup, rendez-vous demain à 13h30. Donc Alexis, lui, est pris pour le match de demain, du coup. Donc on ne sait même pas. En plus, ils annoncent de la pluie encore. Mais on ne sait même pas s'il joue dans notre commune, donc au terrain des entraînements, ou si on va devoir aller ailleurs. On ne sait pas du tout. C'est rendez-vous 13h30 et on ne sait pas. Il prévient même pas les parents, il dit juste aux gamins. Donc. Nous, on n'est même pas au courant, mais bon, bref. Donc voilà. Voilà pour ce vlog. Du coup, je sais même plus. Ouais, je vous ai pris un petit peu pendant le colis. Je vous ai pris un petit peu pendant que je rangeais les courses. Je vous ai pris ce matin dans la voiture. Et puis, bah, je vous ai repris un petit peu là. Ça va. Ça va le faire quand même. Hein? Ça fait un beau petit vlog. Du coup, bah, demain, je sais pas ce que je filme. Hein, c'est week-end. Donc. Bah, ce vlog, déjà, vous allez l'avoir samedi. Donc peut-être que le retour de course. Peut-être, j'ai pas dit sûr. Sera dimanche, c'est demain, je filme pas beaucoup. Ouais, ce sera peut-être comme ça. Peut-être que le retour de course sera dimanche en même temps que le vlog de samedi, du coup. Voilà. Bon. Du coup. Oh, pardon. Du coup, je vais aller m'installer. Je suis fatiguée. Là, je suis en train de regarder ça. J'aime bien, il me dit à chaque fois qu'il me reste pas beaucoup de place de stockage alors que j'ai de la place de stockage, je comprends rien. Pff, je crois que j'ai des mises à jour à faire dans mon téléphone que je fais pas. J'étais en train de dire quoi? J'allais dire quoi? Je me rappelle plus. Aidez-moi. Je sais même plus de quoi j'allais parler, c'est grave. C'est très grave. Oui. J'étais en train de regarder, je me rappelle. J'étais en train de regarder là juste avant de sortir Stella une vidéo du T-Rex Family. Donc je vais regarder, il me reste la moitié à regarder là. Je me lave et je regarde la fin de la vidéo de T-Rex Family. Puis ensuite, ben, je vais regarder si j'ai une autre petite vidéo à regarder. Ah! Normalement, je devrais faire une vidéo, je ne sais pas encore quand, avec Cameco. Parce qu'elle s'est lancée dans. Oh, je sais, je perds mes mots aujourd'hui. En ce qui concerne le Thermomix, tout ça, donc voilà, si ça vous intéresse, les recettes Thermomix, tout ça, vous pouvez aller voir sa chaîne si vous n'êtes pas abonné à sa chaîne. Ambassadrice pour Thermomix, je crois. Je crois que c'est ça, si je dis pas de conneries, j'espère que je dis pas de bêtises. Donc voilà, allez, on va faire une vidéo avec nous du coup. Donc bah, normalement je devais y aller aujourd'hui, mais j'ai pas eu le temps. Clairement, j'ai pas eu le temps. Après, elle m'a proposé sinon ce week-end.
À demain déjà, ça dépend à quelle heure je reviens du foot. Donc soit si je reviens pas tard, ben, je vais voir avec elle si ça l'arrange demain, dès que je reviens du foot. Ça serait pas mal, comme ça au moins si je fais la vidéo avec elle demain. Bon, moi bien sûr, elle sera pas sur ma chaîne, elle sera sur la sienne. À moins que je filme un petit peu, juste pour le vlog quand je serai chez elle, si ça la dérange pas bien sûr. Mais moi je vais pas filmer, je vous dire la recette, tout ça. Donc pour aller voir sur sa chaîne directement. Bon, je sais pas encore si j'y vais demain, on verra. Là d'ailleurs, je crois qu'elle m'a envoyé un message, j'ai vu. Donc je vais lui répondre. Et puis voilà. C'est vrai que ça passe trop vite. Ça passe trop vite. Ah, là, je vous jure. Il y a de l'animation en ce moment dans ma cité, on va dire. Ça fait 3 jours de suite. Il y a eu la police avant-hier, il y a eu la police ce matin. Ben, je vais pas raconter la vie de mes voisins, mais voilà quoi. Il y a de l'animation par ici. Voilà. Donc, bon, après, c'est pas des bonnes animations, quoi. Vaut mieux des fêtes ou quoi que des disputes ou des bagarres, mais bon, c'est comme ça. Hein. Et puis voilà, c'est tout. Donc, du coup, je vais vous laisser pour ce vlog. Je vous fais des gros gros bisous. Un bon dimanche à tous et à toutes. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Ça monte et je suis très contente. Bon, des fois ça rebaisse, mais voilà, c'est comme ça. Hein. Je pense que c'est tout le monde pareil. Puis n'hésitez pas à commenter, même si vous êtes nouveau, même si vous êtes nouvelle. Je ne mange pas et je réponds à tout le monde. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.